Wow, pippity dippity. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amine Hugo. Et aujourd'hui on va reprendre un format qu'on avait fait plusieurs fois et qui vous avait plu. C'est le format des découvertes. Oui, voilà. Comment ça s'est passé? On a décidé un peu de redonner de la force à des rappeurs qui ont une visibilité moindre que les plus gros rappeurs à succès ou que les plus gros rappeurs mainstream. Donc tu as mis une story sur notre compte Insta Amine et Hugo. Allez rejoindre d'ailleurs le compte parce que à tout moment ça peut arriver. Voilà. Et vous nous envoyez des messages. Voilà, et t'as mis un message ce matin. Ce matin. Et on fait un single cet après-midi. Voilà. Comme quoi. C'est très rapide. Voilà. C'est, on fait peu de choses, mais quand on le fait, faut le faire le jour même parce que on sinon. Voilà. Exactement. Alors, format découverte, donc on en avait fait plusieurs auparavant. Le but c'est de mettre en lumière un jeune artiste qui nous a soumis sa musique et qui veut passer le test de l'auditoire Amine et Hugo. Donc c'est-à-dire l'auditoire, c'est pas que nous, c'est surtout vous. C'est-à-dire que on veut un maximum de commentaires, de réactions de votre part sur est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez pas aimé, est-ce que c'est votre style ou pas et qu'est-ce qui peut améliorer. Exactement. Voilà, c'est ça le but. Les axes d'amélioration, ce que vous avez aimé et pourquoi pas voilà, liker, partager au maximum parce que ça peut donner une énorme visibilité à l'artiste. Voilà. On a eu le cas pour certains, donc ce qu'on a présenté sur la chaîne et pour qui ça s'est très bien passé. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et on vous mettra les réseaux de l'artiste. Du coup en description. Évidemment. Alors, l'artiste dont il s'agit, c'est Empty Siete. Exactement. Je vais le prononcer à l'espagnol. Empty Siete, du coup, qui est un artiste de Genève, donc suisse, qui rappe depuis 2019 et qui passe par plusieurs styles de rap, hein, trap, mélodie, kick. Donc, c'est un artiste masqué. Donc ça, c'est important de le savoir. Il ne montre pas son visage. Donc la musique parle pour lui. Mmh. Et apparemment il y a des très gros visuels à ce que j'ai pu entrepercevoir. Donc il y a un projet qui doit sortir très prochainement et il nous envoyait un morceau qu'il a sorti il y a quelques mois qui s'appelle Anesthésié. Exactement, voilà. Qui a fait plus de 200 000 vues. Voilà, il a fait 277 000 vues. C'est quand même très très bien, très voilà. Encourageant. Et nous on va faire une réaction sur le clip. Et voilà. Donner notre avis et derrière vous laisserez un petit message pour ce jeune artiste. Exactement. Qui je crois qu'il a 20 ans même pas. Ok. Qui est tout jeune quoi. Voilà. Allez, c'est parti pour la découverte d'Empty Siete avec son morceau Anesthésié. Let's fucking go. Baby on a dansé toute la night. Ton regard m'a rendu malade. Au soleil dans une Impala. La vie en pièces détachées. Un ref qui rentre le polo taché. Le goût du risque nous a jamais fait cracher. Une mère en pleurs pour un bout de sachet. Qui salira quand la guerre éclatera. Et quand j'allumerai la torche. Pour tirer sur les tyrans, sur les professeurs et sur moi tout court. On m'a mis sur le banc. À la vie, à la mort, on se l'était promis. Question violente, je pourrais te fumer dans une ruelle son. Putain,
anesthésié. J'étais pas prêt à entendre ça. Anesthésié. Anesthésié. Putain. Allez, hop, c'est... Vision, elle me suit le truc. Aujourd'hui, j'ai... Ok, putain. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc déjà, belle surprise. Là, ça m'a mis... Enfin, ça m'a déconcerté, en fait, tu vois. Mais ça m'a déconcerté positivement dans le sens où ça a gravatisé ma curiosité. Ah bon ? J'étais là, mais il va se passer quoi dans le clip ? C'est parce que, en fait, ce que j'ai kiffé, c'est déjà tout l'aspect de contraire, tu vois. Il est dans une sorte de salle de danse classique, alors que lui, il est en survêt. Ouais. Qu'il y a deux potes à lui qui sont sous cagoule, lui aussi. Mais t'as aussi une danseuse étoile. Ouais. Donc, et puis tu vois, ça dénote avec les paroles, tu vois. Il a des paroles très street, très hard. Mais à côté, t'as la mélodie au piano ainsi que la danseuse étoile qui finalement rendent ça plus angélique, plus innocent. Alors que bah, dans les paroles, c'est pas le cas en fait, tu vois. C'est pas le cas parce que bah voilà, il dit déjà, enfin, il dit des choses quand même. Personnel, hein, sa mère est en dépression. Ouais, lui, la rupture avec sa meuf. Voilà, hein, avec sa meuf, donc tout sauf l'innocence finalement. Tout sauf l'innocence. Et non, moi j'ai trouvé déjà intéressant d'avoir un chant sans autotune. Ouais. Donc déjà, ça c'est intéressant, tu vois. C'est pas donné tous les jours d'entendre. Pas d'autotune. Pas de vocodeur, du moins. Ouais, mais je crois qu'il y a un effet, quoi. Ouais, il y a un effet, mais je veux dire, c'est pas le truc qu'on entend habituellement. Enfin, le vocodeur, pardon. Mmh. Et franchement, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça touchant. Après, je pense que, ouais, bon, il peut s'améliorer dans le chant. Bon, ok, la base, normal. Mais. En fait, t'as pas besoin de bien chanter, enfin, de savoir extrêmement bien chanter pour être touchant. Hein. Ah non, pas du tout, non, non, non. C'est pour ça, c'est deux choses que je dissocie. Hein. L'émotion, pour moi, elle est passée, hein. Mais juste pour rendre ça encore plus beau, juste artistiquement, bah ouais, mais sinon, à côté de ça, franchement, bah ça a grave attisé ma curiosité. Hein. Surtout qu'en plus, il y a une vidéo qui est sortie après le clip, qui est sur le tournage d'Anesthésié. Donc peut-être il explique certaines choses, ouais. Ça peut être intéressant d'aller la regarder. Mais non, franchement, beau taf, hein. Ouais, très beau taf. Franchement, pour un rappeur, artiste, amateur, franchement, il a réussi à attiser ma curiosité aussi. Là, pareil, gros choc quand j'ai entendu les premières notes de piano. D'ailleurs, putain, coïncidence, hier, ouais. Je fais une playlist sur du piano. Je vous mettrai la playlist en description, comme ça, vous allez vous taper 21 tracks et que des pianos magiques. Ça passe par Chopin, Sofiane Pamar et j'en passe. Donc, c'est vraiment très, très lourd comme playlist. Mais ouais, ouf, parce que je m'attendais à un drop à un moment donné, aussi. Je m'attendais à un changement de musicalité. On est resté en suspension pendant 6 minutes avec ce piano-voix vraiment... 6 minutes ton chant. Ouais, 6 minutes. Pas passer, hein. Ouais. Et ce que j'ai aimé, c'est son delivery, tu vois, qui s'est accéléré au moment où il a accéléré les accords de piano, c'était magnifique. Je crois qu'il y a vraiment une intensité dans le morceau. Ici, ça nous a amené tout droit vers la suite du projet. En fait, je sens vraiment que c'est un morceau d'album et que en fait, mais Vision ça... là, c'est un album qu'il faut qui donne envie d'être écouté de par un morceau comme ça, tu c'est vois. Ça, c'est ça. C'est vraiment un morceau. Je sais pas comment je pourrais expliquer, mais c'est un morceau par chemin quoi, qui t'amène vraiment sur l'écoute d'un projet. Et ouais, en plus t'as la cover qui est en noir et blanc, cagoulé, donc exactement le même délire du clip. Tu sens que c'est vraiment en lien et c'est ça que j'aime bien. Moi c'est quand l'esthétique d'un morceau reflète la cover d'un album et comme ça, ça tu restes dans le même mood, ouais, tu ouais, vois. Okay. Mais ouais, il y a vraiment tellement de choses à dire. Vraiment, je m'y attendais pas du tout à ce truc-là. Putain, pareil, hein, j'ai été un peu perturbé.
ça m'a fait penser, tu sais, au... Bah, aux sons dans le rap français maintenant qui peuvent se faire, tu vois, sur des pianos voix. Récemment, t'en as eu un qui m'a vraiment marqué, c'est celui de Dinos, tu vois. Mm-hmm. Il s'appelait Arrobaz, je crois. Mm-hmm. Il y avait William aussi sur... William de Damso. Damso. Mais là, c'est vraiment du piano, piano, quoi. Genre, il n'y a rien d'autre, tu vois. C'est le piano, ça fait un peu musique classique, quoi, tu vois. Mm-hmm. Non, c'est encore plus loin du rap. C'était très mature, je trouve. Mais c'était très très loin du rap. C'était hein. très mature, j'ai trouvé. Ouais, c'était très loin du rap tout en étant street un peu, ouais. tu vois. De par le visuel, effectivement, mais de par les paroles. C'est de la musique street classique. C'est mais du coup, je suis grave hype d'écouter un autre son là en fait. Voilà pour l'écoute. Et puis même la fin, le cliffhanger, est-ce que le mec va le shooter ou pas? C'est oui, qui ce mec qui vient de shooter? En fait, est-ce qu'il n'est pas contraint de jouer? Bah ouais, qu'est-ce que c'est que ce délire là? Et puis même, t'as la. T'as la. Je sais pas, non, c'est pas la danseuse étoile qui se fait tabasser là par ces. Non. c'est pas la danseuse étoile. Non, c'est juste un mec qui dit ouais, si tu essaies de me tester, il y a mes potes avec moi et tout, mais c'est ça rien à voir. Qui ça va qui alors? On a vu ses deux potes. Mais la danseuse étoile, elle est à côté et elle danse gros. Ah oui, non, mais il y en a un qui se fait fumer par contre. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On sait pas. On sait pas, non. Après, c'est peut-être juste comme ça, tu vois. Un bif. Non mais vraiment bien, hein. Franchement. Ouais, là je suis surpris aussi, ouais. Vraiment grosse découverte. Du coup, voilà, on vous l'a annoncé, hein, y a un projet qui va sortir bientôt. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous voulez, si vous voulez qu'on fasse. Ouais, qu'on en parle, ouais. Pourquoi qu'on en parle. Et puis, grosse dédicace à mes rappeurs de Genève. Hein. On voit Runa qui a signé récemment. Mm-hmm. Runa, elle a écouté le projet Hieratic, si c'est pas encore fait. C'est un des projets préférés. Qui a été nommé en plus dans les Ami Hugo Awards, rappelle-toi. Il a été voté de ouf et tout. Ouais. Donc non, la Suisse, Makala aussi, ouais. Makala très chaud. Donc ouais, les Suisses, il y a du monde. Et là, c'est bien, ça donne une autre, une autre facette du rap sensible, tu vois. Ouais. Là, c'était vraiment sensible, mais une tension continue. Ouais. Clairement. Ok. Bah écoutez, dites-nous vous ce que vous avez pensé de ce morceau d'MTCT anesthésié dans les commentaires, de nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo évidemment, de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui sont AminHugo1 sur Twitter, AminHugo sur Insta, surtout abonnez-vous au Instagram, c'est très important, parce que ce qu'on a fait là, et si tu ne suivais pas, bah t'aurais pas su. T'aurais pas su, voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, peace.